Du mouvement de désobéissance au TGV du Pays Basque Sud, Mugitu Mugimendua. Et nous remercions beaucoup les associations d'Iparralde, du CAD, pour cette action de solidarité avec les quatre personnes de ce mouvement de désobéissance qui sont inculpées devant l'audience nationale de Madrid suite à l'action d'entartage avec des tartes meringuées pour dénoncer l'imposition de ce projet destructeur au Pays Basque Sud. Les tartes étaient tombées sur Yolanda Barcina, présidente navarraise, lors du congrès de la conférence de la communauté de travail des Pyrénées qui se tenait à Toulouse le 27 octobre de l'année dernière. Nous dénonçons par rapport à ce procès que ce qui n'est qu'une action comique qui, dans tous les pays européens, n'a à peine aucune conséquence légale, en Espagne est en train d'être l'objet d'une criminalisation et d'une persécution, une répression et d'une persécution pénale vraiment très forte, avec des demandes de prison de 4 à 9 années, hein, de prison contre 4 personnes pour cet entartage-là. Nous dénonçons dans ce sens-là aussi qu'il y a un manque total de proportionnalité. Par exemple, la dernière sentence qu'il y a eu en France à cause d'un entartage de M. Raffarin, il y avait une amende de 400 euros contre un jeune. Et nous, là-bas, on est poursuivi avec des peines de 4 à 9 années de prison pour une action similaire. Non, nous dénonçons aussi la vengeance politique que recherche le gouvernement de Navarre en envoyant ce dossier-là à Madrid, hein, à l'audience nationale, qui est vraiment un tribunal que tous les Basques on connaît beaucoup pour, comme un tribunal féroce de répression politique et qui atteint aussi en ce moment tous les mouvements sociaux en Espagne. Hein. Et donc nous signalons aussi la responsabilité qu'a eu le gouvernement français sur cette affaire, parce qu'il y avait eu des diligences ouvertes à Toulouse d'abord, hein, dans les premières heures, suite à une dénonciation voie téléphone de M. Martin Malvy, président de Midi-Pyrénées, qui organisait cette conférence à Toulouse. Mais ensuite, ces diligences ont été paralysées à Toulouse, ce qui a facilité aussi que cette affaire soit poursuivie en Espagne à l'audience nationale de Madrid. Donc nous dénonçons ce nouveau cas, quoi, de criminalisation et de mouvement de désobéissance. Hein, et nous remercions beaucoup l'action de cette action de solidarité. SMN, Nessignon, HTNIKES! SMN, Nessignon, HTNIKES! SMN, Nessignon, HTNIKES!